Le plexus hypogastrique est une structure qui est profondément enfouie dans le fond de la cavité pelvienne, qui reçoit une multitude d'afférences pour lesquelles je vais commencer par rappeler que le système végétatif va être localisé à l'aplomb médullaire avec le système orthosympathique et le système parasympathique. Sur la moitié droite de cette coupe, de la moelle épinière, nous allons remettre en place rapidement le nerf rachidien mixte avec sa racine postérieure caractérisée par son ganglion, sa racine antérieure, les rami communicantes blanc et gris et la chaîne latéro-vertébrale qui se présente comme un caténaire qui est émaillé sur son trajet par une série de renflements ganglionnés d'où vont s'échapper deux types de branches efférentes. Celles qui sont destinées justement au plexus prévisceral qui nous intéresse à partir de cette chaîne latéro-vertébrale ou celles au contraire des branches qui vont gagner directement la paroi du splanchnos, la paroi du viscère intéressé, quel qu'il soit. Et de toute façon, il existe toujours à l'aplomb de cette paroi, un plexus intramural qui est le relais ultime de cette chaîne végétative. Les filets issus du plexus prévisceral arrivent eux aussi dans la paroi du viscère. Ce système orthosympathique est double. Il est à la fois un système viscéromoteur et à la fois un système viscérosensible. Le système viscéromoteur siège dans la zone intermédio-latérale. Et son neurone va quitter par les rami communicantes blancs, le nerf rachidien mixte, va pouvoir faire relais dans la chaîne latéro-vertébrale et de là monter ou descendre vers les étages adjacents avant que de passer vers le plexus prévisceral où certains filets vont passer directement jusque dans la paroi du splanchnos. À partir du plexus prévisceral, l'avant-dernier relais est forcément mixte, capable de véhiculer à la fois les influx ortho et les influx parasympathiques. Ces influx orthosympathiques, viscéromoteurs, à l'aplomb du rectum, sont facilitateurs pour le sphincter lisse de l'anus, qui est en permanence fermé, sont au contraire inhibiteurs pour les fibres musculaires lisses pariétales du rectum. À l'aplomb de la vessie, ces fibres sont facilitatrices pour le sphincter lisse de la vessie et facilitatrices pour le trigone vésical, dont la contraction va entraîner la formation de l'entonnoir vésical et la fermeture des orifices urétéraux. Enfin, sous l'angle génital, chez l'homme, cette zone va correspondre à la zone des centres de l'éjaculation. La viscérosensibilité orthosympathique à partir des plexus intramuraux va pouvoir passer directement vers la chaîne latéro-vertébrale ou passer par le relais du plexus hypogastrique prévisceral et de là gagner la racine postérieure avec l'esthésionnaire qui se trouve dans le renflement ganglionné avant que d'arriver dans la zone intermédio-latérale où va se faire le relais avec la zone viscéro-sensible. À l'aplomb de cette région du renflement ganglionné postérieur, les cellules de Dogiel vont permettre une relation avec les esthésionneurs somatiques qui, sur leur trajet, vont venir innerver un dermatome cutané, expliquant ainsi la projection à l'aplomb de la peau des douleurs d'origine viscérale. Ce système orthosympathique est celui de la réplétion et celui du remplissage des fonctions viscérales pelviennes. Au contraire, sur l'autre moitié gauche du schéma, où nous allons résumer de la même façon le trajet esquissé du nerf rachidien mixte avec le départ des rami communicantes, nous allons mettre en place le contingent parasympathique. Ce contingent va siéger lui aussi dans la zone intermédio-latérale de la moelle et uniquement de la moelle sacrée, parce que ces centres vont correspondre au myélomère qui s'étage de S2 à S5, alors que les centres orthosympathiques
s'étage de T8 jusqu'en L3. Le contingent parasympathique va emprunter le nerf rachidien mixte, ne va pas intéresser du tout la chaîne latérovertébrale et va soit arriver, ce sera le cas pour le nerf érecteur Descartes, directement au plexus hypogastrique préviscéral, soit, comme pour le contingent orthosympathique, gagner directement la paroi du splanchnos. Les derniers rameaux sont donc mixtes et véhiculent à la fois l'influx ortho et l'influx parasympathique. Cet influx anaplo du rectum va être facilitateur pour les fibres musculaires lisses pariétales, va être inhibiteur pour le sphincter strié lisse qui est en permanence fermé. Anaplo de la vessie va être facilitateur pour les muscles lisses du détrusor vésical et va être inhibiteur pour le sphincter lisse. Enfin, pour la fonction génitale, c'est là que siège la zone de l'érection, et ce, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le centre vésical va correspondre au centre spinal de Budge, tel qu'on le connaît classiquement. Si je veux remettre en place maintenant, sur une seconde vue de face, la région du promontoire lombo-sacré, c'est parce que là va siéger le plexus hypogastrique supérieur de Hovelac, qui va être à l'origine d'un contingent important pour le plexus hypogastrique inférieur. Voici sur cette vue de face la portion crâniale et le côté latéral droit. Voici le sacrum et le départ de l'aile iliaque. Le sacrum que nous allons présenter des deux côtés avec les trous sacrés antérieurs rapidement esquissés, les crêtres. Et sur cette région, la chaîne orthosympathique latérovertébrale lombale avec ses derniers ganglions lombaires, puis dans ce plan ici, les formations qui vont descendre dans le pelvis pour constituer la chaîne orthosympathique latérovertébrale sacrée avec ses 4 ou 5 renflements ganglionnés et l'éventuelle anastomose avec les ganglions de Walter à la partie inférieure. Sur cette vue de face, nous allons également esquisser la bifurcation aortique en L4 qui va donner à droite naissance à l'artère iliaque primitive qui se bifurque en iliaque externe et en iliaque interne, qui va de la même façon à gauche donner cette bifurcation d'origine des deux troncs iliaques. Et cette bifurcation aortique nous permet de rappeler rapidement l'artère sacrée moyenne, alors que les artères sacrées latérales vont prendre naissance du contingent iliaque. Satellite de la bifurcation aortique, voici la confluence d'origine de la veine cave inférieure avec les veines iliaques externes, les veines iliaques internes qui sont celles-ci souvent plexiformes, à peine esquissées dans ce plan, pour montrer également la région la plus postérieure, pré-sacrée, devant laquelle va venir siéger le plexus hypogastrique supérieur de Hovelac. Il a un aspect fenêtré ou un aspect lamellaire. C'est cette formation que l'on vient sectionner dans les interventions de côte qui étaient préconisées dans les algies des carcinomatoses pelviennes ayant envahi toute la cavité pelvienne. Voici schématisé de face la zone de l'ampoule rectale qui va occuper la loge viscérale postérieure du pelvis. Et ceci pour rappeler que, à la face postérieure de l'ampoule rectale, va descendre le pédicule rectal supérieur, l'artère hémorroïdale supérieure, qui est une branche terminale de l'artère mésentérique inférieure, et qui va être accompagnée ici par les filets mixtes issus du plexus mésentérique inférieur, avec là aussi une afférence ortho et une afférence parasympathique. Eh bien, c'est là, en arrière, prenant en quelque sorte en Y renversé l'ampoule rectale, que vont se détacher les deux nerfs hypogastriques, droit et gauche, qui vont constituer les affluents principaux végétatifs au plexus hypogastrique qui va siéger maintenant ici vers le bas. Je rappellerai à ce titre que l'urtère lombale va à droite effectuer sa flexura marginalis de Schwalb en regard de l'artère iliaque externe et de l'artère iliaque interne, que à gauche, au contraire, l'urtère
va surcroiser l'iliaque primitif avant que de plonger dans le pelvis pour donner son fuseau pelvien. Et c'est là, sur le côté du rectum, sur le côté de l'urètre, que va siéger le plexus hypogastrique inférieur de Hoeveelaak. Sur une coupe horizontale partielle, passant par la deuxième vertèbre sacrée, voici comment se présente la tranche de section du canal sacré, l'articulation sacro-iliaque latérale, c'est là la face ventrale et le côté latéral droit. Voici l'ampoule rectale qui va occuper la loge viscérale postérieure de ce pelvis sur la face antérieure du sacrum. Rappelons l'artère sacrée moyenne, les artères sacrées latérales, avec leurs satellites veineux, et se détachant de la face antérieure du sacrum, le muscle pelvibranchantérien, qui est le muscle pyramidal du petit bassin. L'urètre, dans sa portion pelvienne, file donc là-bas vers l'avant, et nous allons rappeler ici en arrière la présence des racines rachidiennes de la queue de cheval S2, S3, S4 qui vont sortir ici pour constituer le nerf sciatique, le nerf pudendal, et qui vont véhiculer le contingent parasympathique destiné au plexus hypogastrique. La chaîne latéro-vertébrale est dans ce plan. Le nerf hypogastrique de chaque côté est à la face postérieure de l'ampoule rectale, et au contact de la face postérieure, voici l'artère hémorroïdale, l'artère rectale supérieure, accompagnée par les filets du nerf rectal supérieur, du nerf branche du plexus mésentérique. Eh bien, le nerf hypogastrique va contourner l'ampoule rectale et va être accompagné par les filets mixtes du plexus mésentérique supérieur en direction de la première lame du plexus hypogastrique, qui se divise ainsi en deux plans, qui est la lame médiale, qui est ici en dedans de l'urètre et qui reçoit donc ces deux contingents ortho et mixte, orthosympathique et mixte. Au contraire, au contact des vaisseaux hypogastriques, dont je schématise ici le trajet avec les plexus veineux satellites, avec par exemple le départ ici de l'artère rectale moyenne, c'est là que les filets issus de la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale sacrée, qui vont, à partir du deuxième renflement ganglionné, eux aussi participer à la constitution du plexus hypogastrique, c'est là maintenant que vont arriver les filets parasympathiques du nerf récepteur Descartes, qui va être issu de S2, S3, S4, S5, qui sont 4 ou 5 filets, qui sont d'autant plus gros qu'ils naissent plus haut. Et ces rameaux vont, comme les filets issus de la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale, gagner le deuxième contingent du plexus hypogastrique, qui lui se trouve au contraire sur la face externe par rapport à l'urètre, en dedans des plexus vasculaires et particulièrement veineux hypogastriques. Voilà comment se divise ce plexus hypogastrique. Le moment est venu donc de mettre en place une vue latérale droite empruntée à Hirschfeld du pelvis de la femme, avec la charnière lombosacrée, avec la charnière entre L4 et L5, et le foramen neurologique de L5. La portion crâniale, comme toujours, est dans ce plan. Le sacrum va vers le bas, venir maintenant se prolonger par le coccyx, et le sacrum se prolonge latéralement par l'aile iliaque que nous avons volontairement sectionné. Le sacrum présente les foramens obturés antérieurs avec les crêtes synostosiques, et du sacrum va se détacher l'un des muscles pelvitrocantériens qui va sortir par la grande échancrure sciatique, le muscle pyramidal du petit bassin, le muscle piriforme. Les racines nerveuses rachidiennes vont venir constituer ici le tronc lombosacré L4 et L5, qui au passage donne naissance
au nerf gluteal supérieur, puis rejoint par S1, par S2 et par S3, venir former le volumineux nerf sciatique. S2, S3 et S4 vont par ailleurs fusionner pour donner naissance au nerf pudendal. La chaîne orthosympathique latéro-vertébrale sacrée et lombale avec son dernier maillon va apparaître dans ce plan avec les 4 voire les 5 renflements ganglionnés de la chaîne sacrée, puis devant le promontoire, la structure que nous avions évoquée précédemment, qu'est le plexus hypogastrique supérieur de Hovelacque. La loge pelvienne postérieure de la femme va être occupée par l'ampoule rectale, dont voici la jonction recto-anale, l'ampoule rectale dont la jonction recto-sigmoïdienne a été, pour les besoins du schéma, réclinée vers le haut. Le canal anal va être vers le bas, entouré par le sphincter strié de la marge de l'anus. Plus en avant, nous allons retrouver la vessie avec l'ourac et la vessie qui se prolonge vers le bas par l'urètre, l'urètre autour duquel se trouve également le sphincter strié de l'urètre. Entre la vessie et le rectum, remontant latéralement sur la zone cervico-ismique, voici le vagin, avec là encore la jonction vulvo-vaginale, le sphincter vulvo-vaginal, et dans le vagin est venu s'emmancher l'utérus que nous avons également relevé, l'utérus sur les faces latérales duquel se trouve le il utérin. Passant sur le côté à 1,5 cm du cul-de-sac latéro-vaginal, dirigé vers la face postérieure de la vessie, voici l'urtère avec son fuseau pelvien, l'urtère qui va être accompagné par, en particulier, l'artère utérine, branche de l'artère hypogastrique qui va effectuer ici sa crosse, en dessous, puis sur le côté, puis au-dessus, avant que de remonter sur la face latérale de l'utérus. Nous allons rappeler également, simplement pour mémoire, avec les vaisseaux hémorroïdaux rectaux moyens, avec l'arrivée de l'artère rectale supérieure, les vaisseaux hypogastriques, dont le satellite plexiforme veineux est juste esquissé pour ne pas surcharger le schéma. Le plexus hypogastrique reçoit donc premièrement un contingent d'origine mésentérique inférieure qui accompagne les pédicules rectaux supérieurs. Le plexus hypogastrique inférieur de Hovelacque va recevoir maintenant les volumineux nerfs hypogastriques issus du plexus hypogastrique supérieur de Hovelacque et va recevoir ensuite les filets afférents des racines sympathiques des premiers, deuxième, troisième ganglions sacrés, latéraux sacrés, va recevoir enfin, comme chez l'homme, le contingent parasympathique sous la forme des nervi erigentes, des nerfs érecteurs issus de S2, de S3 et de S4, et là encore avec des petits filets érecteurs qui vont gagner le plancher pelvien, le plancher périnéal, en direction des formations érectiles qui sont ici annexées en dessous de la symphyse pubienne, dont voilà la face ventrale et la paroi, à la structure des bulbes vulvo-vaginaux et des racines des corps caverneux du clitoris. Bien sûr, nous allons remettre en place le plan du plancher pelvien, le plan du releveur de l'anus, le levator ani représentant ici le diaphragme pelvien, l'entonnoir du releveur, celui qui maintient en place toutes les structures intra-pelviennes et dont le déficit est à l'origine des prolapsus du petit bassin. Voici donc le releveur de l'anus. En dessous, nous sommes à l'aplomb du périnée. Au-dessus, nous sommes dans le pelvis. Le plexus hypogastrique apparaît maintenant avec cet aspect de lame fenêtrée qui est embrochée sur l'urtère. L'urtère qui reste le fil directeur de la dissection dans une région
où cet aspect de 4 à 5 cm de lame fenêtrée va donner naissance aux principaux filets efférents de ce plexus hypogastrique que Lee et Frankenhauser, chez la femme, ont isolé avec quelquefois des petits renflements secondaires. Il y a bien sûr la même anastomose périurétérale avec le nerf urétérovésical de Rudinger qui se dirige vers la vessie, avec les rameaux cervico-ismiques, avec les rameaux à destinée utérine, et puis ici les filets destinés à la paroi latérale du rectum, à la face antérieure du rectum et le nerf rectal supérieur. Ces branches efférentes du plexus hypogastrique doivent être disséquées, ménagées lors des interventions pelviennes, sous peine d'avoir des complications urinaires, des complications génitales secondaires. Pour bien comprendre ces rapports, je vais mettre en place trois coupes qui vont passer la première AB par la partie postérieure de la cavité pelvienne, la seconde CD qui va passer par la loge moyenne, la loge génitale, et la troisième EF qui va passer par la loge antérieure, par la loge urinaire. La première coupe, selon AB, intéresse le pelvis postérieur avec du côté crânial le sacrum et latéralement l'iliaque. Voici sur le côté la tubérosité ischiatique vers le bas et le côté droit. Nous allons rappeler ici la sortie par la grande échancrure sciatique du muscle pyramidal du petit bassin, alors que la petite échancrure sciatique laisse sortir ici le muscle obturateur interne. Ces structures sont recouvertes par la raponévrose, bien sûr. Voilà le petit ligament sacro-sciatique. Voilà le grand ligament sacro-sciatique qui donne naissance ici au ligament sacro-tubéral et au canal d'Alcock, au ligament falciforme sous la tubérosité. Les racines rachidiennes mixtes montrent ici l'émergence du grand nerf sciatique, celle du nerf pudendal, du nerf honteux interne, qui, après être sorti momentanément de la cavité pelvienne, va pénétrer à nouveau par le canal d'Alcock dans le plancher périnéal postérieur. Nous sommes ici à l'aplomb de l'ampoule rectale, dont voilà la tranche de section, puis la jonction recto-anale, puis la jonction anocutanée de Hermann. L'ampoule rectale est ici caractérisée par les valvules de Kohlhau. Voici la ligne anorectale, voici la ligne anocutanée de Hermann. Autour de ce canal anal, voilà le plan du sphincter strié de la marge de l'anus. Le muscle releveur de l'anus va s'implanter sur la ponévrose de l'obturateur interne. Il va fermer l'entonnoir pelvien à la partie postérieure. Il va mêler ses fibres à la texture recto-anale pour constituer la classique arcade de l'Aimer. Il va épaissir la ponévrose de l'obturateur interne pour y constituer son arcade. En dessous, nous sommes à l'aplomb de la fosse ischio-rectale qui n'a pas de plan aponévrotique. Et dans cette fosse ischio-rectale, marquons déjà le départ de ces rameaux érecteurs érectiles destinés au périnée antérieur. Sur le côté du rectum, voici le trajet de l'urtère. L'urtère est là en relation avec les branches collatérales de l'artère hypogastrique, comme par exemple l'artère rectale moyenne, l'artère rectale supérieure arrivant à la face postérieure de l'ampoule rectale. Satellite des artères, voici les plexus veineux. Et puis en arrière, à partir de la chaîne orthosympathique latérovertébrale, les filets qui accompagnent maintenant l'arrivée du nerf hypogastrique en le contingent orthosympathique. L'artère sacrée moyenne, l'artère sacrée latérale sont vers l'arrière avec leurs satellites veineux. Et bien sûr, c'est là que va commencer à apparaître le plexus hypogastrique avec son contingent externe qui est à l'extérieur de l'urtère, son contingent médial qui est à l'intérieur de l'urtère et le départ des filets efférents à destinée rectale dans ce plan de coupe. Sous ces éléments, avec les lymphatiques, sont contenus dans la lame hypogastrique pubo-vésico-génito-recto-sacrée qui vient se densifier pour former le fascia pelvis, qui vient sous-tendre à la partie haute les cul-de-sac péritonéo-latéro-recto. Les éléments
étant bien sûr nerveux et vasculaire en situation sous, extra et rétro-péritonéale. Et voici la loge périrectale par rapport à la loge pararectale, à la loge de l'espace pelvi sous-péritonéal. Après cette première coupe selon AB, nous allons faire une deuxième coupe qui passe par la loge génitale moyenne avec l'aile iliaque, avec toujours la même orientation, la portion crâniale, la cavité cotyloïde à l'extérieur de l'aile iliaque, avec le foramen obturé et la branche ischio-pubienne. Voici la membrane obturatrice, voici les muscles pariétaux que nous rappellerons sommairement, le muscle iliopsoas, le muscle obturateur interne, recouvert bien sûr par le fascia iliaca et la ponévrose de l'obturateur interne, avec leur rapport neurologique important, le nerf fémoral, le nerf cutané fémoral latéral de la cuisse, le génito-fémoral, le nerf obturateur qui va sortir par le foramen obturé. Nous sommes ici dans la cavité pelvienne, en dessous du détroit supérieur, et la coupe va intéresser ici le vagin. Le vagin dont la partie basse avec les caroncules iméléam mène à la vulve et à l'orifice vulvaire, orifice vulvaire qui se prolonge du côté périnéal par les formations labiales, les petites et les grandes lèvres, avec le sillon génito-fémoral. Voici, sous la branche ischio-pubienne, la racine du corps caverneux du clitoris. Voici, dans l'épaisseur de la petite lèvre, le bulbe spongieux vulvo-vaginal. Autour de la jonction du canal vulvo-vaginal, le sphincter strié vulvo-vaginal, contenu dans la ponévrose périnéale moyenne, qui est là, et qui véhicule les éléments volitionnels issus du nerf pudendal, destiné au sphincter strié de l'urètre, destiné aux muscles volitionnels eux aussi, ischio-caverneux et bulbo-caverneux. Nous sommes ici sous la ponévrose périnéale superficielle, à l'aplomb de la terminaison des filets végétatifs parasympathiques, des filets érectiles évoqués tout à l'heure, qui passent ici en direction des corps caverneux. Et au-dessus, nous sommes dans la cavité pelvienne, au-dessus de l'entonnoir du releveur de l'anus. Le releveur a déterminé ici l'arcade du levatorani avec son aponévrose. En dehors du releveur, c'est là le prolongement de la fosse ischio-rectale. Et sur le côté, à 1,5 cm du cul-de-sac latéro-vaginal, voici l'urtère. Dans le fond du cul-de-sac latéro-vaginal, voici l'abouchement du col de l'utérus avec le museau de tanche, la face postérieure du vagin présentant l'arbre de vie et sa striation transversale classiquement décrite en palais de chien. Voici donc le cul-de-sac latéro-vaginal et à 1,5 cm l'urtère. L'urtère dont le rapport principal à cet endroit est marqué par la crosse de l'artère utérine qui abandonne ici les rameaux cervico-ismiques, par l'arrivée de l'artère vaginale longue destinée à la paroi. Voici également les vaisseaux obturateurs, les vaisseaux iliaques externes, artères et veines satellites sont beaucoup plus hauts. Et voici le trajet de l'artère ombilicale à destinée vésicale. Là-dessus se trouve embroché le plexus hypogastrique avec ses deux contingents externes et internes, avec les branches efférentes vaginales qui sont à prédominance parasympathique, avec les branches à destinée cervico-ismique pour l'isthme et pour le col de l'utérus. Et bien sûr avec les veines satellites, bien sûr avec les éléments lymphatiques associés, se trouve tissée la lame hypogastrique, la lame pubo-sacrée qui donne le fascia pelvis et qui délimite la loge périvaginale, le péricervix, par rapport à la loge paravaginale, le paracervix, l'espace du pelvis sous-péritonéal. Le péritoine vient être attiré ici par cette lame, là-bas vers l'arrière. Le péritoine pariétal nous permettrait d'évoquer, à peine esquissé, l'ovaire qui va être en situation intrapelvienne. Et le plexus hypogastrique, donc, dans son deuxième contingent, à destinée génitale, à destinée vaginale, apparaît sur cette seconde coupe selon CD. Pour terminer, nous allons mettre en place une troisième coupe passant par
la loge urinaire, la loge antérieure, avec toujours la même représentation spatiale, la portion crâniale, l'aile iliaque, la branche ischio-pubienne, avec vers le bas le foramen obturé fermé par la membrane obturatrice, comme précédemment les muscles pariétaux, le muscle ilio-psoas, le muscle obturateur interne, avec le fascia iliaca et la ponévrose de recouvrement, avec les éléments neurologiques sur lesquels je ne reviens pas, le fémoral, le cutané fémoral, le génito-fémoral, l'obturateur. Nous sommes dans le petit bassin en dessous du plan du détroit supérieur. Et les vaisseaux iliaques externes sont ici surcroisés qu'ils vont l'être par l'urethère. Dans un instant, la vessie va être chez la femme sectionnée, se prolongeant par l'urètre et l'abouchement urétro-vulvaire. Voilà ici le plan des formations labiales. Voici le plan du sphincter strié de l'urètre, tel que nous l'avions montré tout à l'heure. Et voilà la ponévrose périnéale moyenne qui va fermer le pelvis, qui va former la loge pelvienne. Là, l'arrivée du nerf pudendal, du nerf volitionnel, et comme tout à l'heure, sous la branche ischio-pubienne, dans l'épaisseur de la petite lèvre, les formations érectiles avec leurs muscles volitionnels, bulbo-caverneux et ischio-caverneux, eux aussi sous la dépendance du nerf pudendal. Au-dessus, nous sommes dans le pelvis. Et dans le pelvis est arrivé, voilà, ayant surcroisé les vaisseaux iliaques vers le haut, l'urètre. L'urètre qui vient s'aboucher à la face postérieure du trigone vésical et au-dessus de la vessie, en antéflexion, voici couché le corps de l'utérus sectionné. Sur le côté, nous allons mettre en place l'artère ombilicale, les artères vésicales inférieures et puis bien sûr le plancher pelvien constitué par le levator anii. Le releveur de l'anus qui forme la sangle, l'entonnoir des releveurs avec son aponéphrose qui lui est propre, avec l'arcade du releveur de l'anus, avec en dehors de lui le prolongement antérieur de la fosse ischio-rectale. Le releveur de l'anus va être là encore en relation avec la lame hypogastrique. Nous sommes ici avec les branches du plexus hypogastrique embrochées autour de l'urètre qui va abandonner les filets vésicaux que nous pouvons ainsi montrer qui longent la paroi latérale de la vessie. Il y a là les éléments veineux satellites, il y a là les éléments lymphatiques et voilà la lame hypogastrique qui va fermer avec le fascia pelvis vers le bas, qui va fermer la loge périvésicale par rapport à l'espace sous-péritonéal. Cette lame va sous-tendre ici les cul-de-sacs péritonéaux qui vont se réfléchir autour de l'utérus constituant le ligament large et là-bas vers l'arrière le péritoine pariétal, l'urètre étant en situation bien sûr sous-extra-péritonéal, serait intéressé pour montrer la ligne de phare et l'ovaire qui se trouve toujours dans cette fossette ovarique antérieure de Krauss. C'est là que se trouvent aussi les branches efférentes qui vont gagner la face utérine, telle que nous les avions montrées tout à l'heure dans ce plan. Eh bien, me direz-vous, ces éléments sont faciles à dessiner au tableau. Ils sont beaucoup plus difficiles à disséquer, encore que les techniques de céliochirurgie permettent maintenant un abord fin et détaillé de ces structures. Et pour illustrer ces propos, voici maintenant des images de dissection du plexus hypogastrique inférieur chez la femme, ainsi que certaines images prises en IRM. Le professeur Brigitte Mauroy a disséqué le mésorectum, la graisse de l'espace pelvis sous-péritonéal, graisse dans laquelle est logé, entre autres, le plexus hypogastrique inférieur, dans ce feutrage postérieur de la lame pubo-sacrée. Voici en place cette lame fenêtrée de 4 à 5 cm de long, avec ses afférences parasympathiques issues des racines S2, S3, S4,
Le rectum étant récliné vers le bas, l'utérus attiré vers le haut, au-dessus de la vessie. Ainsi se trouve délimité le triangle plexique, avec ses trois bords et ses trois angles. Le bord ventral et crânial, tangent à l'artère hypogastrique et à ses branches. Le bord dorsal, contre les racines plexiques. Le bord ventral et caudal, tangent au muscle levator ani. L'angle antéro-inférieur, ventral et caudal, correspond à l'uretère qui reste le fil directeur de la dissection. L'angle postéro-inférieur, dorsal et caudal, est celui de l'arrivée des rameaux parasympathiques du nerf érecteur Descartes. L'angle postéro-supérieur, dorsal et crânial, est celui des rapports vasculaires et nerveux hypogastriques. Du plexus se détachent les efférences utéro-vaginales antérieures et vésicales, ces dernières embrochées sur l'urethère. Les nerfs vésicaux latéraux sont en dehors de la crosse de l'artère utérine. Ils longent par en dessous le segment terminal de l'urethère avant de pénétrer la musculeuse. Le nerf vésical médial gagne la face postérieure de la vessie en dehors du trigone vésical et pénètre la musculeuse avant d'atteindre le col. Les rameaux rectaux inférieurs, nombreux, le rectum ayant été partiellement resséqué, se répartissent dans la cloison recto-vaginale et abordent la paroi antéro-inférieure du rectum. Voici, en IRM, l'espace graisseux pararectal. La lame plexique se trouve à l'intérieur, au-dessus du plan du levator ani, au contact du paracervix. En IRM toujours, sur une coupe parasagittale, le plexus est au-dessus du levator ani, en arrière de l'obturateur interne, sous le péritoine et les anses intestinales. Les techniques d'imagerie moderne nous permettent donc une visualisation précise du plexus hypogastrique inférieur chez la femme.